léger gauche, gauche qui glisse, droite serrée, droite très serrée. Quoi? Et après là tu vas chercher l'autre cône là derrière, tu vois. Tu vas vers l'autre là au fond, tu passes entre les deux ici, entre la cône et la plaque, et là tu reviens sur la ligne droite. Wow! Tu veux me pousser? J'arrive, j'arrive, j'arrive! Yeah. Qu'est-ce que t'as? Ah, mais c'est, le bling, c'est tu as l'axe? Il y a eu un espèce de bling avant. Hein. Purée, moi je pars en cacahuète au freinage avec ce pneu. Là-bas derrière, t'as l'impression que c'est serré, mais en fait, il y a 3-4 mètres. Ah, j'aurais dû mettre plus loin le cône là-bas. Je vais aller pousser. Je suis dessus. Ah bah oui, c'est à cause du pare-choc que j'ai fait devant là. Ah là là, on est mieux. Encore un petit peu. Voilà, là on est tranquille. Bon, moi, il faudra que je durcisse les huiles. Là, j'ai les huiles de diff hyper détendues partout. Ouais, moi, ça me change totalement. Ah, mais il est bien doux aussi. Hein. Ah, ouais, okay. C'est joueur, à fond, c'est joueur. Il y a un pneu qui commence à faire. Ouais. Mika, il te faut un coup de main? C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? J'ai perdu les deux vis de la fixation de la recette. Ah! Le truc il est sorti et puis l'angle il est sorti. Ok, rien de grave alors. Tu vas avoir des câbles à terre en fait que les pneus comme ça passe. Hein? Ah si, on peut se déplacer par là. Parce que là on a. C'était quoi ça? Je sais pas.
T'es en 4 ou en 6 là? 6. 6 c'est grave. Ah, maman dit, Farvan, il est trop détendu, hein, c'est. Bon, t'aurais peut-être dû brider le débattement aussi là. Là, on arrive, t'arrives un peu trop vite peut-être. Attention, oh yeah, moi je l'ai vu partir dans la rampe là. Je suis sérieux, il va se taper les pieds de la rampe. La vache. Depuis tout ce mouillé, c'est. Ah ouais, c'est ta chance, hein. C'est trop fort. Tiens. Je commence à vouloir couper trop court, moi. Dans la terre là-bas, c'est trop bon. La terre, ouais, c'est terrible. Plus tu la vois voler, c'est trop bien. Là, là, là. Ah oui, c'est tiré, là. Un petit, je crois que c'est 14 à peine. 14, c'est réactif. T'as une vitesse de malade en plus avec un 14. Ouais, mais eux ils ont. Bon, après, t'as le 2200 aussi. Hein. Ah. Oh, oh, je pars en carré. Ah, je crois que j'ai eu tous les cônes. Ouf. Ça freinait trop fort ou tournait trop fort? J'ai ralenti trop fort, je pense que tourner trop tôt en fait. Alors qu'elle n'avait pas assez d'accélération. Ouais, ça va aussi comme ça, regarde, hop. C'est mon turbo. T'as entendu ma pop-off là. C'est vraiment bizarre cette histoire de récepteur avant, hein. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas réussi à reconfigurer, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Là, bah, je tous, et tous, hein, tous spectrum. Enfin, ouais. Spectrum aussi. Ouais, mais là, j'ai passé la Traxxas dessus. Mais toi, t'as la marche arrière. Non, mais là, j'ai passé la Traxxas dessus. Ah, c'est ça. Ah, trop. Ah, c'est terrible. Ah, c'est trop sympa. Ah. Trop vite, trop vite. Reste droit au freinage.
Moi je te dis pas que j'ai 4 nœuds différents moi. T'as eu peur hein? Lopette. Ah dame Ned. Vas-y passe. J'adore tout en douceur. Wow. Ça se dévapore à l'avant, ça passe. Ça se dévapore. Ça se dévapore. Il tape une tente. Ça se met dans la boue là-bas. Ah! J'ai compris pourquoi ça s'évapore, j'ai des roues jumelées! Ouais, ça, t'as la mousse qui part. J'ai la mousse jumelée! C'est, si tu tournes de l'autre sens, ça se remet. Mais monte vite, désolé sinon. Hein. Ouais. T'as roues jumelées, partout. Stand, arrivage au stand. En douceur la rampe. Ah, un peu trop doux. T'es redescendu? Hey, excellent, regarde où il est. Toi t'aurais voulu le faire, t'aurais pas réussi. Mais t'as vu comme j'ai mis le noir en haut et en bas, t'as vu comme ça affine la carreau, c'est débile. C'est bien. Ah coupure, c'est bon. Moi aussi j'arrive. Ouais, je vais changer un peu. Oh je suis pas obligé. Ah, c'est bien. Ouais, mais oui. Bonjour, mais là-bas. Hein. Oh, il y en a un qui a refait le circuit. On avait un nain du Père Noël. Ouais, les pneus ils sont trop froids là. Et j'ai les diffs complètement détendus. Pourquoi t'en passes? Hein? Si, c'est quand t'es en accélération là. Oui, quand t'es en accélération, d'accord. Quand tu freines, c'est bon. Même trop. Après, j'ai des pneus glacés aussi. Non, j'ai les quatre glacés. Mais les avant ils sont encore plus durs que les arrières. Ah, c'est le temps que ça chauffe un peu, après ça va aller. Ah, j'ai ramolli suspect aussi, tu vois, du coup. Avant ça allait mieux. J'ai ramolli un peu, mais c'est l'inverse. C'est un peu loin les cônes. Oh. Oh. C'est trop bon ça. La petite terre qui part. C'est joli comme tout. C'est pas ouais, je vais durcir mes suspects moi. C'est là. Oh les joli. Bah t'es réglé tout terrain aussi hein. Ouais. Moi, j'ai mis des pare-chocs recourbés devant et derrière pour comme ça je grimpe sur tout ce qui se présente. Putain, je vais durcir moi. Fais gaffe parce que là il va redescendre. C'est quoi, c'est le
Non, c'est une Hyper 8. Seulement, ça, c'est une Pro. Tu sais, la même que la dernière fois. Le buggy que j'avais là. Ouais. Mais en version Pro, celui-là. Donc, il a les. L'allume plus solide et les renforts plus solides. Et... Du coup, c'est top pour faire ce genre de questions. Ouais. Il y a une grosse différence entre la Pro et l'autre à rouler ? À rouler, non. Mmh. Voilà, c'est juste parce que le, tu vois, les diffs sont trop. Tu vois. Mmh. Là, je ne l'ai pas encore réglé. J'ai laissé comme elle est arrivée. Mais là, c'est un peu. C'est un peu inroulable avec les diffs comme ça. Tu, dès que tu accélères, tu moulines la puissance dans le vide. Tu vois. Et l'avant est plus détendu que l'arrière en plus. Ouais, bon après ça dépend ce que tu cherches. Tu vois là ça va mieux tout de suite. Petite glissade. À peu près. Ouais, là je suis en 4S. Un petit 2650 carré à moi. Trop. Le temps que mes pneus chauffent. Voilà un petit réglage. Les diffs. Régler les diffs et après des bons pneus. Ah. Profites-en, ça va pas durer, c'est Jérôme. Beau jouet, quand même. Je l'ai préparé cette semaine. Mercredi m'appelle. Je peux passer à midi. Je voulais la garder pour moi, je dis elle est trop jolie pour l'habiller. J'ai dit sur la vidéo, j'ai dit ouais, il faut que quelqu'un la sauve. Ça n'a pas duré 3 heures. J'ai eu un doute. C'est con le slash là avec le carbone pété parce qu'il se comportait bien là. Il est dispo hein. C'est une voiture piste plus rallye. Parce que là avec les GT ici tu peux pas rouler. Je vais chercher une vraie voiture rallye mais on est chez la 1 maintenant. Allez t'es crack. Ouais. J'attends de voir si le mec l'avant je la prends. Mais après, c'est la celle-là pour une autre. Tu prends quoi? La première, elle est à Monaco. Ah, mais moi je descends à Monaco, moi, tu vois. C'est une Mitsubishi Lancer, mais c'est une négociée. Ah. Donc, pomme méca, boîte méca, pas électro. Ouais, ouais, ouais. La bite et le couteau, elle est ressautée, il y a deux sièges et basta. Ah, ouais, ça suffit. Ah, ça, ça peut me plaire. Voilà. Il m'a dit 28, je l'ai regardé, j'ai dit à 28 tu peux te la caler où tu veux. Ah, ça fait un peu... Si t'enlèves le 8 derrière, en hiver, on peut s'entendre. Ça va pas Jérôme? Oui, mais je fais un raccourci des pistes. Tu n'as pas pu m'empêcher. J'ai pris le raccourci. C'est comme dans les jeux, ils ont toujours des raccourcis. Avec les buggy, il faut freiner un peu avant de tourner. Ah ouais. Où il va? Où il va?
C'était mieux avec le soleil. Ouais. Oh. Désolé, c'est moi. Ouf. Là, je n'ai pas vu venir celle-là. Je suis tout le temps dans le même mirage, je n'arrive pas. Reste léger sur les freins. Juste à un demi-millimètre sur la gâchette, genre. Ouais, mais moi je crois qu'avant tout s'est déréglé avec les histoires de radio là. À mon avis, elle réagit pas comme il faut. C'est bien les couronnes plastiques, hein, c'est silencieux quand même. Je reste un peu, j'ai pris un peu de distance, hein, comme ça t'as pas la pression. On a celle plus rigoureuse dans le boulevard. Ok. Bah oui, il roule en 6S lui. Il est en 6, nous on est en 4. Ah, je comprends mieux. Parce que là, l'élastique laisse tomber, tu vois. Mais tu n'arrives même pas à l'exploiter là, elle a même pas encore. Elle a même pas passé le gaz. Oh, là j'ai freiné, je sais pas où il allait. Ah, ça m'aide. Ouf. Colline McCrash. Ah, j'ai perdu un clip de carrosserie. Après Ken Block, Mani Block. Mani des blocs. Mani des blocs. Tu lui as donné le même truc que l'autre la dernière fois là, qui se faisait sur ses roues là. Ouais. Tu lui as donné du chat. Et dans les jeux vidéo, ils ont des raccourcis. Alors moi, j'ai un raccourci là-bas. Voilà. Et des passages secrets. Ouais. Ouais, lui aussi, il freine toujours, il tourne avant de freiner. Lui. Joli Jérôme, dommage. Ah. Le départ était vraiment beau. Damned. Il manque pas grand chose toi. Ah non, mais moi, il faut que je change ces huiles de diff, là, c'est une catastrophe. J'ai un peu d'huile de vidange à la maison, je vais vous la ramener ouais. D'ailleurs. Ça va être bien. On va faire une petite plaque un peu plus loin là-bas. Un caillou. On va rallonger la glisse. Je crois qu'il faut des ressorts un peu plus durs et puis des huiles un peu plus dures. Après moi j'avais prévu pour les rampes et les sauts. Ah, le cerveau bitec a lâché l'affaire, je crois. Le cerveau bitec a lâché l'affaire. Ouais.
là, on le bon angle.